Be free with your temple. Be free. Automoto, chaque samedi de 10h à 11h avec Mourad Bouzidi et Race Card. Automoto sur RTCI. Bonjour, bonjour, c'est Automoto, j'allais dire Tunisie Auto, voilà. Fort, là. Alors c'est Automoto sur RTCI aujourd'hui, bonjour à toutes, bonjour à tous, il fait une chaleur, une belle chaleur on va dire, hein. Super chaleur, et donc nous là, bon, là, il y a la clim, c'est bien déjà, donc, et puis Race Cab qui est en forme, et puis Manana aussi. Voilà. Alors, bonjour, salut les gars. Bonjour, bonjour à bonjour. Toutes et à tous. Oui. Alors, on est bien accompagnés aujourd'hui, Mourad, oui. Puisque c'est Nawel Saïdi et Sarah Abdjawed du côté de la technique. Ensuite, c'est le trio Qais Kaabi, Mourad Bouzidi et Amanallah Ben Ghiza. Comme d'habitude, on va faire le petit tour d'horizon. Oui, bon. Alors il y a le fond à Abu Dhabi. Le fond à Abu Dhabi, il est où, Nawel? Nawel, il est où, le fond à Abu Dhabi? Donc, et puis donc, Sarah Abdjawed, écoute, plus il fait chaud et plus elle embellit, je ne sais pas comment elle fait. Ouais. Je sais pas, le secret, elle va nous donner son secret. Et puis bon, alors il y a la question, on va faire gagner 200 dinars, mon ami. Et puis je sais que depuis 9h30, on nous appelle. Alors on les fait patienter depuis tout à l'heure. Donc la question, moi j'ai la question, c'est quelle rubrique à consulter dans le site Casserole afin de choisir le lubrifiant adéquat à votre voiture? Je répète, quelle rubrique à consulter dans le site Casserole afin de choisir le lubrifiant adéquat à votre voiture? Il y a deux propositions. Les deux propositions... Wait a minute, c'est sélecteur de lubrifiant ou bien huile moteur pour automobile. Je répète, sélecteur de lubrifiant ou bien huile moteur pour automobile. On appelle le 71 840 000 et on gagne 200 dinars. Exactement. Voilà. Offert par Casserole. Voilà, Castro Tunisie, la société Jomar. Jomar Tunisie. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, pas d'invité. T'es content, Amenala, tu vas pouvoir parler comme tu veux. Kaïs aussi, toi aussi. Alors, non. On est tous. On va pas dire qu'on est content parce que sinon tout le monde va comprendre qu'on veut pas d'invité. Non, mais on aura plus d'espace pour mieux appréhender les nouveautés, parce qu'il y a plein de nouveautés. Exactement. Qu'on a dû zapper malheureusement parce qu'on avait faute de temps. Exactement. Donc aujourd'hui on va profiter pour faire la tour d'horizon aussi pour les nouveautés en Tunisie. Au niveau mondial, on va essayer un peu de grignoter quelques nouveautés. Exactement. On va aussi parcourir les statistiques. Des exclusivités aussi. Attention, des exclusivités et des scoops. Oui. Comme d'habitude. Ok. On va attendre Mourad. Un superbe info conseil. Puis tout à l'heure, on aura avec nous aussi Choc les Dridi de All Libya. Ils ont entamé une excellente action de sécurité routière depuis une semaine. Ils sont un peu partout sur les plages en Tunisie et c'est très bien. Donc on l'aura tout à l'heure pour qu'il nous explique pourquoi avoir choisi une telle action cet été 2017. On passe à l'Auto Journal, Noël. L'Auto-Journal sur RTCI. Alors, Mourad, on va commencer aujourd'hui par le classement des marques premium les plus vendues pour ce trimestre. Je rappelle que la dernière fois, on a parlé des classements de... c'est-à-dire toutes les généralistes. Voilà, tout modèle confondu. Donc c'est les généralistes. Justement, donc aujourd'hui, on va aller plus en détail pour parler des marques premium. Et pour ça, donc pour ce segment, il n'y a pas de surprise concernant le classement des marques premium les plus vendues en Tunisie, puisque au niveau de nos concessionnaires, et pour ce premier semestre 2017, tout comme en 2016 d'ailleurs, et ben le classement reste pratiquement inchangé, avec en haut du podium la marque allemande Audi avec 340... Ingolstadt, si tu cherches la ville. La ville, L'allemande Ingolstadt. Voilà, donc c'est Audi avec 344 véhicules vendus. À la deuxième place, on retrouve Mercedes-Benz avec 252 véhicules vendus.
Et puis à la troisième place, c'est aussi une marque allemande, c'est BMW avec 212 véhicules vendus. Bon, ça c'est pour les marques premium, donc ça reste inchangé, hein. C'est pratiquement le même podium que l'année passée. L'année passée, justement. 2016. Voilà. Donc Audi, c'est surtout l'A4. Hein. Alors l'A4, elle marche, la star de Audi Tunisie. Au niveau prix, ils sont très compétitifs. Oui. Ils profitent aussi du réseau de Nacl qui est vraiment présent en Tunisie, déjà au niveau des livraisons et des commandes et des test drives éventuellement. C'est beaucoup plus facile. Oui, on la prend maintenant, Nawel, la gagnante. Sans problème, au milieu de l'analyse. Vas-y, mon ami. Non, ça y est, on a fermé le labo aujourd'hui. Hein. Alors, on a une gagnante, apparemment. Donc, attendez, moi je prépare mon outil là. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, d'accord, excusez-nous. Alors, okay. Tu peux terminer. Donc, on reprend là où l'était. Donc Mercedes, il se place deuxième, c'est ça? Oui. Donc on est combien au niveau chiffre? C'est-à-dire il y a c'est le réseau. Hein, voilà, on sent que c'est le réseau qui joue sur les chiffres. Et c'est aussi bon. Je vais pas dire que c'est les plus compétitifs. Ils sont. Je l'ai déjà mentionné une fois. Ils sont tous les trois équivalents, hein, au niveau qualité et au niveau présentation. Ils sont tous les trois équivalents. Mais c'est à chacun son identité. On sait très bien que quelqu'un qui achète une Mercedes, il continue à acheter une Mercedes, et quelqu'un qui achète une BMW, ils savent fidéliser leurs clients, voilà, tout simplement. Ah, oui, d'accord, fidéliser. Écoute, tu sais, c'est vrai, hein, c'est vrai quelque part, mais c'est pas le discours que tiennent les concessionnaires. Vas-y. C'est vrai, les concessionnaires, ils tiennent un autre discours. Ils te disent, écoutez, aujourd'hui, ils ne font plus la différence entre une BMW et une Mercedes, exact, comme tu disais toi, puisque ce sont des modèles qui sont... Il n'y a plus de fidélité, et ils vont vers le moins cher. La qualité-prix, c'est-à-dire là où ils trouvent leur compte, les clients. Mais ce qu'on sent, si on observe très bien les dernières, on va dire toutes les productions, et les dernières productions des trois marques allemandes, on sent très bien que les trois, ils sont au même niveau technologique. D'accord. Ils sont très performants au niveau allemand, c'est des Allemands. Voilà. Et pour intégrer les technologies, ils sont tous vraiment de très bons élèves, ouais. Et ils savent très bien les intégrer. Il y a quelques petites différences par-ci par-là qui, à mon avis, à l'utilisateur lambda, ils vont pas faire la différence réellement. D'accord. Ne le sent que celui qui est vraiment expert et tout ça. Ok. Alors la question du jour, c'était quelle rubrique à consulter dans le site Casserole afin de choisir le lubrifiant adéquat à votre voiture, sélecteur de lubrifiant, huile moteur pour automobile, et je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Alors, c'est une femme, Mourad. Quelqu'une, voilà. Voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous appelez? Madame Saïd Issemia. Bonjour, madame Issemia. Alors, donc vous avez entendu la question, est-ce que vous avez la bonne réponse? Oui, sélecteur de lubrifiant. Eh ben. Voilà, tu vois. Ça, c'est Mourad Bouzidi qui fait le show. C'est le train à vapeur qui démarre. Ben, madame Semia, merci beaucoup. Donc voilà, c'était la bonne, réponse. Vous faites quoi dans la vie, madame Semia? Semia, vous faites quoi dans la vie? Oui. Pardon, on vous dérange, hein, on s'amuse, nous, dans le studio, mais vous faites quoi dans la vie? On aimerait bien vous connaître. Je suis enseignante. D'accord. En français, je suppose? Oui. D'accord. Et vous avez une voiture, bien sûr? Non. Non? Ah bon, vous n'aimez pas les voitures? Vous n'aimez pas les voitures, Samia? Non. D'accord, ok. Bon, écoutez, on vous souhaite un bon week-end. Et puis, bravo, vous avez gagné 200 dinars offerts par Casserole. C'est un chèque cadeau que vous pouvez utiliser n'importe où. Bravo. Au revoir. Merci, restez branchés. Sarah vous dira comment faire pour récupérer votre cadeau. Merci pour votre fidélité, madame. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et ben voilà, donc c'était 200 dinars de gagné. Donc on revient à mon lad. Ah, voilà. Là, il marche mieux. Vas-y. Donc, alors, à moi d'enchaîner. Du côté du concessionnaire Italcar, on note des satisfactions puisque la marque Jeep, oui, c'est vrai, la marque Jeep, tu sais, vient d'intégrer quoi, ça fait deux ans qu'elle est présente sur le marché tunisien. Elle a réalisé un bon chiffre avec 103 véhicules vendus et se retrouve en quatrième position devant Land Rover, qui est quand même un ancien de l'ancien, un vieux de la vieille. Land Rover en Tunisie, ça fait un peu plus de 10 ans qu'ils sont là, Land Rover. Oui. Oui. Moi, je dirais que, bon, le Renegade, le tout petit SUV de
de chez Jeep. Ouais. Et pour quelque chose dans ce chiffre, à mon avis. Parce que déjà, il est plus abordable. Oui. Bon, malheureusement, la Wrangler qu'on connaît, la voiture de MacGyver, elle n'est pas très abordable pour ici, pour notre marché. Mm-hmm. Elle reste. C'est un off-road à 100%, donc c'est pas. Voilà, c'est le mythe. Et même les amateurs, il faut citer un peu le marché parallèle. Hein. Je vais parler de marché parallèle parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand Italka importe la Wrangler, par exemple, il vaut mieux, on va dire pécuniairement, l'acheter au niveau du marché parallèle parce que c'est moins cher. Et donc là, ils sont lésés. Pour toutes les autres voitures, lésés. Pour tous les autres modèles. Non, je parle de cette marque-là parce que cette marque-là aurait pu profiter du Wrangler. C'est ce que je veux dire, en fait. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire mais que... là, elle est lésée. C'est un peu ça. D'accord. Donc le Wrangler, qui était le cheval de bataille de Jeep, avec le Grand Cherokee, bien sûr, et le Cherokee avant, c'était vraiment c'est le mythe qui est là, mais on ne peut pas y accéder facilement. Écoute, moi, j'avais les détails modèle par modèle. C'est dommage, j'ai oublié dans la voiture. Donc la semaine prochaine, toi tu seras pas là, toi reste tu seras en vacances, le Vénard. Mais je pense que au modèle par modèle, on va les attaquer, ouais. D'accord. Ouais. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, ils ramènent la Compass bientôt en octobre. Donc, la nouvelle. La nouvelle parce que c'est une nouvelle voiture, vraiment elle est intéressante. Oui. L'ancienne c'était un peu une réalisation un peu. Moi je suis pas très fan de l'ancienne Compass qu'ils avaient fait chez Jeep. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc c'est Automoto sur RTCI. On a fait gagner déjà 200 dinars. On va lancer une. Non. Non, on va pas lancer. Ça, on là, va pas lance, lancer. Je lance pas. Ok, alors on va lancer la deuxième. Le deuxième jeu, c'est avec Techno Motors. On va faire gagner un entretien complet de votre climatisation. On en a bien besoin en cette chaleur. Donc un été chaud, hein, là, ça commence. Et donc, c'est chez Techno Motors. Ils sont installés au CRAM. C'est un nouveau. C'est une nouvelle agence. Très atelier mécanique, peinture, etc. Donc, très in. Hein. Et il y a de tout. Donc, la question aujourd'hui. La question, ben écoute, quelle question on va donner? Je sais pas. Alors, on a parlé. Vous pouvez appeler, vous allez gagner tout ça. Alors, on va dire tout de suite, il faut noter. Le premier qui appelle. Le premier qui aurait appelé. Le premier qui a appelé a gagné. Allez, allons-y. Non, le premier qui devine sur quelle nouveauté je vais parler à cette émission, pendant cette émission, au niveau mondial, hein, pas à Tunisie, il aura gagné. Comment il va savoir ça? Ah, il doit deviner mes pensées. C'est pour ça que c'est difficile, en fait. C'est la Tiguan. Non, la nouveauté mondiale. Non, la nouveauté mondiale. Nouveauté mondiale, c'est quoi? Attends, je vais pas dire la réponse. Mais si, on la donne et puis on verra bien ceux qui nous écoutent. Alors, l'Audi A8. L'Audi A8, on va parler de l'Audi A8. Donc voilà, la réponse est Audi A8. Allez-y, à vos marques. Portables 71 8 40 000, vous gagnez un entretien complet de votre climatisation. Alors, on passe une musique et on revient avec vous pour parler toujours de nouveautés dans l'Autojournal. Jeu Automoto. Ah, directement, donc, jeu Automoto. Donc, c'est que nous avons quelqu'un au téléphone, non? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qui est avec nous? Leïla Ben Atman. Oh, Leïla, vous avez une voix agréable, avec beaucoup de punch, c'est ça, on adore. Oui, malgré la chaleur. Vous êtes où, là? Je suis à la Socra. Super, d'accord. Et moi, je croyais qu'elle était au showroom d'Audi. Oui, oui. Donc, en fait, la réponse est Alors, la réponse au premier jeu est que je suis la première à avoir appelé. Et... Parce qu'à un moment, j'ai appelé, il y avait deux jeux en même temps. Je me dis, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je donnerai les deux. Là, à 8, nouveau. Super. Mais attends, Mourad, il y avait le reste de la question. Quelle est la longueur de l'Audi A8? C'est bon, elle est super sympa et on va lui offrir. Non, mais c'est très bien. Là, je suis sûr que même toutes les questions qu'on va te poser aujourd'hui, tu trouveras la réponse, tellement tu es en forme. C'est bien, bravo. Alors, tu as gagné, donc, écoute, ça sera sympa hein, de
revérifier tout le système de climatisation. Tu sais, il faut nettoyer tout ça. Il y a un filtre, bref. Voilà, il y a une charge peut-être aussi. Et sans aussi flexible s'il y a d'autres petites bricoles à faire. Et si tu as d'autres bricoles, avec ton beau sourire, t'inquiète pas, ils seront là pour répondre à ta demande. Alors, tu quittes pas, tu restes avec notre belle Sarah de Red qui va te dire comment récupérer ton voiture. Salut, bon week-end. Merci beaucoup. Ciao. Alors, voilà, donc on continue avec l'auto-journal, puisqu'on va parler d'un moteur, le moteur 1.2 litres turbo PureTech de DS3. C'est un moteur de 110 chevaux avec une boîte automatique. Oui. Un BVA, donc boîte de vitesse automatique. Oui. Donc c'est un moteur qui était élu moteur de l'année 2017. Donc c'est un moteur. Juste une petite correction, vite fait. Je sais que tu vas dire. Non, c'est le 1.2 PureTech 110 chevaux de PSA. Parce qu'en fait, il est monté sur toutes les voitures. Parce que si on la coupe à une boîte, c'est un bloc propulseur. Ça devient un bloc propulseur. C'est plus un moteur. Mm-hmm. Et c'est différent. Allez, vas-y, continue. Je suis tout à fait d'accord. Non, c'est pour faire la distinction pour nos auditeurs. C'est beaucoup plus pour nos auditeurs, pas pour le corriger le fait en lui-même. Il faut faire la nuance, en fait. Hein. Le moteur boîte, c'est différent. Hein. Parce qu'entre manuel et automatique, il y a plein de choses qui changent. On aura l'occasion de parler de ça. Oui, voilà. Donc c'est le groupe PSA. C'est le moteur du groupe PSA. C'était à l'occasion du 18e édition, donc c'est la 18e édition de l'International Engine of the Year Awards à Stuttgart. Donc un jury composé de journalistes internationaux a décerné à ce moteur-là, qui est de 1.2 litre, donc 3 cylindres turbo PureTech, ce prix du meilleur moteur. Voilà. Effectivement. Et pour ma mention, au passage, il est monté sur la Citroën C4. La DS3 maintenant, donc récemment chez Aurès ici, en Tunisie, et sur la 308 aussi. Et sur la 2, on s'attend, le même moteur en 110 chevaux, turbo compressé, et on s'attend aussi qu'il soit sur la 2008 éventuellement, et sur il y avait un autre modèle qu'on voulait. Sur la C4 éventuellement, C3. C'est une boîte automatique, c'est une boîte auto à double embrayage ou c'est une boîte. C'est une boîte de simple embrayage. D'accord. En tous les cas, en Tunisie, cette motorisation elle est présente à Aurès Auto, donc ils proposent sur la DS3, 110 chevaux, BVA, boîte auto. Donc, c'est pas la Inès de la Fressange, celle-là ? Non, Inès de la Fressange, le modèle vient en septembre. Ah, ok, d'accord. D'accord. Et donc, c'est la DS3 Performance Line. Ok. Ok, que vous pouvez découvrir à DS Store au lac. Voilà. On enchaîne ? On enchaîne, bien sûr. Avec moi ? Bien sûr. Alors, plus d'un million d'exemplaires en 2016, donc c'est le prix du moteur. Ils envisagent carrément de monter à 1 million d'exemplaires. C'est pour ça que je parlais de moteur de PSA. Oui. C'est pour comprendre aussi, parce qu'il sera monté chez Opel aussi. Hein, parce que vu le récent mariage entre Opel et PSA, le même moteur va faire son apparition sur des SUV de chez Opel. D'accord. Donc il faut s'attendre, c'est pour ça que les chiffres vont monter jusqu'à 1 million. 1 million d'exemplaires. Voilà. Ouais. Donc nous on a découvert tout le temps. Alors la nouveauté aujourd'hui, on l'a découvert il y a 2 jours, c'est le nouveau SUV CHR BSB Toyota. Oui. Donc c'est un beau modèle, il faut le dire. Bon, je... Qui a été présenté à Paris, en fait, oui. À la fin 2016, en octobre 2016. Exactement, et donc ce modèle-là, il est encore en phase d'homologation à BSB. C'est un crossover, oui. Donc il sera proposé avec 2 versions, boîte auto et boîte manuelle, et c'est avec une motorisation, c'est le 1.2 turbo de 116 chevaux. Oui. C'est gentil, ça. Oui. La consommation, donc là on parle d'une consommation très de 6 litres. Oui. Il faut comprendre aussi que pour la puissance, il y a un seuil de puissance que si on l'atteint, en fait, on peut faire le chemin inverse pour la consommation. Parce que le moteur, plus il est petit, plus il est très sollicité, donc il va consommer davantage par rapport au poids de la voiture. Ouais. Et si on migre vers un peu plus de puissance, parfois on a le juste équilibre. D'accord. Et là, on obtient un moteur qui peut facilement entraîner la voiture,
sans pour autant trop accélérer, on va dire. D'accord. Mais écoute, ce modèle, il est assemblé en Turquie. Donc avec la Corolla, hein, la même chose, dans le même site de production. Les prix, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on peut dire, c'est bon. J'ai vu le modèle, hein, il est très sympa et c'est vrai qu'il a un look sportif et tout. Le seul petit souci, c'est au niveau du coffre à l'arrière. C'est vraiment très exigu. C'est un coffre exigu quand on se déplace en famille. C'est pas vraiment pratique. C'est juste la petite remarque. Ouais. Ça, c'est le design. Ouais. C'est le design. Parce que si on veut vraiment réussir un design, on l'a vu chez Renault, la visibilité trois quarts arrière, elle est pas très, très confortable sur par exemple les Clio, les Mégane. Mais par contre, l'arrière, il est magnifique. La partie arrière, elle est dessinée d'une manière magnifique. L'exemple, en fait, pour revenir au CHR, le CHR, il est très, tu l'as sûrement vu chez BSB, au niveau arrière, c'est très osé, c'est très futuriste comme design. Donc, ressemble beaucoup à la Honda Civic. On peut dire, mais bon, comme c'est un crossover et la Civic c'est une berline. Oui, tout à fait, oui, mais c'est de toute façon, ses principaux concurrents en Tunisie seront le Qashqai, le Nissan Qashqai, oui. Et puis la Seat Ateca aussi, parce qu'ils ont à peu près la même dimension, c'est aux alentours de 4m30, 4m35. Oui. Et puis, en attendant l'arrivée aussi de la Hyundai Tucson, oui. qui va aussi bientôt débarquer en Tunisie. Oui, oui, mais bon, c'est pas la même catégorie, parce que si on parle de 4m20, il fait combien lui, le CHR? Quelle longueur? C'est 4m36 exactement. C'est les mêmes mesurations. Ouais. Qashqai, 4m36, voilà. Ouais. Il se place chez le Qashqai, mais pas le Tucson. Le Tucson, il est plus lent. Hein. Ouais. Il fait 4m60. D'accord. Justement, pour revenir au Tucson MN, je veux juste annoncer que c'est un modèle qui va avoir le démarrage commercial. Donc déjà, c'est un modèle qui a bien réussi dans le monde. Donc c'est un design, un beau design, et aussi il faut noter qu'avec 100 000 unités vendues jusque là, donc dès le lancement, donc c'est un modèle qui a quand même bien réussi. Donc le Hyundai Tucson va avoir un moteur de 1,7 en diesel, un litre 7 CRDI de 141 chevaux, et puis voilà, donc il sera très bientôt en Tunisie. Mourad, il est en phase d'homologation. Oui, il est en Tunisie, mais en phase d'homologation. Il faut aussi comprendre que comme Kia et Hyundai, c'est le même groupe. Bon, ici en Tunisie, ils sont représentés par deux entités différentes, mais par contre, au niveau mondial, c'est le même groupe. Donc, il faut savoir que la même motorisation, c'est la même que sur le Kia Sportage. Ouais. Ça va être la même motorisation. Donc, c'est une banque d'organes. C'est un peu ça. C'est le même principe pour les groupes. Yes, yes, yes. Bon, alors, on va passer une musique et on va revenir avec une intervention de Monsieur Chokledi, dit de Olibia, Tunisie. Ne quittez pas, ensuite, on aura le faux conseil. L'Auto-Journal sur RTCI. Automoto sur RTCI avec aujourd'hui comme invité VIP Kays Kabi et Benkeza de Actu Auto. Donc nous avons avec nous, je crois, au téléphone Monsieur Chokri Dridi. Non, je pense qu'il est pas encore là. C'est pour ça que c'est Kays l'invité. Alors c'est Kays Kabi l'invité. Merci beaucoup. Merci. Alors vas-y, mon ami, tu as quelque chose à dire. Alors je vais enchaîner. C'est bon, Sarah. Donc pas encore. Donc on a pas. D'accord. Donc on va lancer. Donc on va continuer avec Samia. Qui est Samia? L'Auto-Journal. Attends, alors je discute avec Noël de l'autre côté du studio. Alors, ok, c'est bon, vas-y, Kays. Alors, on va enchaîner, donc le temps de recevoir le coup de fil, on va enchaîner avec l'auto-journal, puisqu'on a aussi une petite remarque concernant le grand i10 de Hyundai, qui vient de connaître un lifting 2017 au niveau de la face avant et arrière, avec un design original et moderne. Donc ça va être, va y avoir une nouvelle calandre en cascade et des feux de jour à LED ronds. Donc il faut noter que c'est un modèle 2017, donc il n'est pas encore dans les showrooms. Si, donc il est voilà. En vente.
fait, on appelle ça un refresh hein, par rapport à la, au modèle. C'est un facelift. Voilà. C'est un facelift, voilà. Donc, ils ont fait une modification au niveau de l'avant et puis au niveau de l'arrière et puis un petit coup esthétique, on va dire. Voilà, en général, tous les constructeurs, ils font ça pour relancer les ventes. Hein. Tout à fait. Ouais. Mais il faut dire que c'est le modèle, c'est le best-seller. Hein. Le grand Eddy, c'est le best-seller. Chez Hyundai et Tunisie. Oui, en Tunisie. Donc, c'est le modèle qui se vend le plus dans sa catégorie. Donc, voilà, donc c'est un best-seller. Et même chez Hyundai, par rapport aux autres modèles qu'ils ont chez eux aussi. Aussi, oui, ouais, d'accord. Et juste, c'est bon, est-ce que... Non. Donc on termine... On met le fond à Abu Dhabi. Voilà. Noël, on met le fond Il fait chaud à Abu Dhabi. Oui. Voilà, et donc une dernière info concernant toujours la marque Hyundai, c'est le SUV Creta aussi qui connaît un beau succès, très prisé par nos voisins algériens et libyens. Oui. Donc pourrait également être de la partie même si rien d'officiel n'a pas été fait pour l'instant. Non, en fait toi tu lis l'article il y a 2 semaines, je suis désolé. Donc en fait, s'il y a 3 modèles, il y a le grand Eddy. Ok, donc il y a le grand i10, facelift, il y a le Tucson, il y a le Creta qui sont déjà en Tunisie, et puis tu as aussi l'Elantra. Ouais. Donc voilà. Bien, nous avons avec nous Sonia Bonable. Oui, bonjour. Salut, comment vas-tu? Ça va. Alors, Chocolaty, il est où là? Il bronze? Oui, il est où là? Bon, c'est pas grave. Non, on lui passe le bonjour. Bonjour, oui. Monsieur Chocolaty. Mais tu te débrouilles très bien, toi, tu te débrouilles très bien. Alors, écoute, Sonia, là, tu as lancé une action pour All Libya Tunisie, donc depuis quelques jours. Donc, on s'est vu à la Marsa, puis ensuite, tu t'es rendu à Bizerte, puis ensuite, c'était dans votre station-service à Almanar. Après, vous êtes parti à Hammamet. Donc, voilà, hein, ça bouge. Oui, ça bouge depuis le 15 juillet avec notre partenaire, l'ASR, les ambassadeurs de la sécurité routière. Oui. Donc, on essaye de couvrir presque toutes les zones de la Tunisie. D'accord. Donc, on va y aller jusqu'au presque 31 août avec une clôture à GF10. D'accord. On couvre les plages, les stations-service. Et puis, le but, c'est non seulement une activation estivale, mais plutôt une sensibilisation, une éducation par le biais des enfants, c'est-à-dire on les éduque au code de la sécurité routière, le comportement. Et puis, in fine, on sait bien que les enfants véhiculent bien le message. Et puis, ils sont, comme on dit en anglais, c'est les influencers, c'est-à-dire ils passent directement le message à aux parents. Oui, on a dit, alors, vous avez mis le paquet. Hein, on a vu que c'est très bien fait, bravo. Avec un mini-circuit où les enfants, avec des panneaux de signalisation pour que les enfants commencent à apprendre, à comprendre ce que sont ces panneaux de signalisation. Il y a aussi une tablette, j'ai vu. Oui, c'est. En fait, on a développé une application digitale, et puis c'est une application très très simple. C'est-à-dire l'enfant, il se ramène au niveau du trac du camion qui est brindé au Libya Tunisie et l'ASR. Oui. Et puis il passe un petit mini test de code de la route. Et in fine, il a un cadeau. C'est un livre de coloriage où il y a dedans toute instruction sur le code de la route. Super. Avec les crayons et tout. Oui. Puis il descend, il y a un moniteur, il fait un petit tour de circuit, et puis encore il a un cadeau, et le tout est animé par notre mascotte au expert de Libye. Ouais, qui a beaucoup de succès, on a vu beaucoup de gens qui se prennent en selfie avec lui. Hein? Ouais. Alors tu nous donnes le programme, la suite du programme, tu l'as en tête ou pas? La suite du programme. Oui, la suite, aujourd'hui nous sommes à Sousse, place Boujaf. Okay. Demain c'est à plage Mehdeya. Le lundi c'est au niveau de la station service au Libya Monastir. Mardi c'est à Sousse Zeouia. D'accord. Mercredi on revient sur Tunis au niveau de la GP8, notre nouvelle station. Oui. Et ça va y aller comme ça jusqu'à. Enfin, on va passer encore par Bizerte, par Sfax, Zerzis. En tout cas, le programme, il est disponible sur notre page Facebook au Libya Tunisie, tout y est, en temps réel. D'accord. Bah, écoute, bravo Sonia, bonne continuation. Merci Mourad. Et puis quand tu as d'autres nouvelles, ben je sais que tu vas attaquer septembre, septembre il va y avoir de nouvelles informations. Ok, bye bye, bon week-end. Bye bye, très bonne journée, bye bye, ciao. Voilà.
Alors. Voilà, bah donc maintenant on va passer à, avec Amen pour le test drive. Aujourd'hui il nous a choisi donc, un SUV qui est... Donc aujourd'hui on va partir en Allemagne. On essaie un peu de faire le tour des pays. À chaque fois on sélectionne une marque sur le pays sélectionné. Aujourd'hui c'est la Volkswagen Tiguan. C'est un des meilleurs SUV, il faut dire la vérité. Il est fait avec, sur la même plateforme qu'un Seat Ateca. Oui, c'est la plateforme MQB rallongée. Oui. Le plus important, tu l'as dit au départ, en fait, c'est l'impression, elle est là, mais c'est réel en fait, parce que Volkswagen, quand ils ont fait le Tiguan au départ, ils voulaient vraiment marquer le coup dès le début, et ils ont attendu un peu que les Coréens, tout le monde commence à faire un peu des SUV, parce que ça a commencé aux États-Unis et en Asie en fait, la mode SUV. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont très bien réfléchi, ils ont concocté une bonne surprise, on va dire, au grand public, à travers la marque Volkswagen en 2007. C'était le premier Tiguan. Après, maintenant, on va parler du nouveau Tiguan qui a été renouvelé à la fin 2016. Donc, en 2016, on va dire ça comme ça. Et nous, on l'avait essayé sur Actu Auto en novembre 2016. Vous pouvez consulter l'essai sur YouTube. Donc, Actu Auto, c'est comment, Mourad ? Actu Auto, c'est ACTUOTO. Voilà, exactement. Mais écoute, il y a Tiguan, mais il y a aussi, c'est le segment dessus, mais peut-être, enfin, c'est un SUV un peu plus long, et puis il y a le Touareg. Non. Bien sûr, mais c'est deux créneaux différents. C'est deux créneaux différents parce qu'en fait, explique-nous la différence. Ce qui fait la différence, c'est le concept dès le départ. Le Touareg, il a été conçu pour les États-Unis. Le vrai besoin, c'était là, parce que il est gros. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est très gros et on sent qu'il n'est pas très Europe au niveau dimension. Voilà, exactement. Ouais. Au niveau envergure, comme pour les avions. Et le Tiguan, c'était beaucoup plus le besoin de l'Européen. Il s'était beaucoup plus orienté Europe, mais il fait aussi US. Ouais. Et d'ailleurs, pour le nouveau, on va commencer un peu à parler du Tiguan, du nouveau Tiguan. Vas-y. Et Volkswagen a même lancé une variante du Tiguan qui s'appelle aux États-Unis la SEL, le Tiguan SEL. C'est un Tiguan lent de 7 places. D'accord. Alors que bon, sur la configuration qu'on a chez nous et en Europe, c'est une configuration 5 places de 4,50 m. Donc là, on va commencer sur le Tiguan. On est à la deuxième génération, donc comme on a dit. Le premier a été lancé en 2007. Le design extérieur, il est très sage, comme il l'était pour l'ancien. L'ancien, il reprenait un peu les codes stylistiques des productions Volkswagen du moment. Cependant, on note que tous les détails ont été travaillés, ont été modifiés, repensés et revu par Volkswagen. On avait fait la parenthèse du cycle de vie des produits premium. Sur le Tiguan, on va parler de pré-premium, parce que Volkswagen, parfois, elle fait une limite premium et parfois, elle fait limite généraliste. Ici, on sent qu'il y a un très gros travail. Le projet, si on parle de 2007-2016, c'est qu'il y a 9 ans. Donc ils ont mis 9 ans de recherche et développement pour les remettre dans un autre modèle, le deuxième modèle du Tiguan, pour arriver vraiment à un résultat vraiment qui nous a un peu qui nous a surpris. Et entre guillemets, je suis pas en train de jeter des fleurs, c'est le produit lui-même qui parle. C'est des détails qui sont poussés dans tous les sens. C'est-à-dire, tous les petits détails sont soignés. C'est tout est orienté famille. Il y a plein d'espace, il y a plein d'espace de rangement. On aura l'occasion d'en parler sur les deux parties. Donc ensuite, on va enchaîner sur l'intérieur. L'intérieur est conçu d'une manière très ergonomique. Par contre, c'est très noir. Volkswagen, on connaît très bien, c'est austère. Il y a même les Français, Hartung. Ils disent que... Voilà, c'est vraiment... Mais ce qui se passe, c'est que malgré que c'est noir, en fait, on s'habitue. Et l'ergonomie, en fait, nous... c'est quand elle tu qui... dis noir, ça veut dire sombre. C'est-à-dire sombre, c'est voilà. Un habitacle sombre. Il n'y a pas de vrai bitant. Et ils ne font pas aussi de fantaisie au niveau des lignes intérieures, au niveau de l'habitacle. Okay. Ensuite, pas de lumière, c'est les couleurs. On parle de couleurs. De couleurs, bien sûr. Mmh. Par contre, justement, pour les surfaces vitrées, il y a beaucoup de surfaces vitrées. Et c'est très éclairé. Mais par contre, ce qu'il faut aussi noter au passage, c'est que comme les Allemands, ils adorent les sécurités, et ils ont la tendance à faire les seuils de porte qui sont un peu hauts. Ouais. Donc on se sent dans un cocon,
mais tout en ayant l'ergonomie, on est bien assis, on est bien en sécurité. C'est ça ce qui se passe. Alors, en fait, tu l'as essayé, hein, ce modèle. Justement, on l'a essayé en profondeur. Donc, vous pouvez consulter l'essai sur YouTube, comme on avait cité dès le départ, sur Actu Auto. Oui. D'ailleurs, on le fait pour tous les modèles. Donc, c'est un essai qui est assez détaillé. Oui. Ensuite, pour l'intérieur, l'intégration de l'Active Info Display. Ça, c'est un point très important. En fait, ils ont intégré tout simplement l'affichage digital des compteurs, celui qu'on connaît, qu'on a vu au tout début, c'était sur la TD. D'accord. L'Audi TT. Pour accompagner l'Active Info Display, ils ont aussi mis un écran tactile de 8 pouces qui fait GPS et tout ça. On parle du Tiguan, un nouveau Tiguan. Voilà, ceux qui nous prennent en cours de route. Voilà, du Volkswagen Tiguan en 2016. Oui. Donc, l'Active Info Display, ce qu'il permet de faire, pour expliquer un peu, c'est les compteurs peuvent être remodifiés au niveau dimension et on peut intégrer l'image, par exemple, de la navigation GPS entre les compteurs en face du conducteur. On ne parle pas de l'écran central, on parle des compteurs qu'on connaissait analogiques. On aura l'occasion d'en parler un peu et de parcourir un peu, peut-être la semaine prochaine, on fera une petite parenthèse sur les affichages virtuels chez tous les constructeurs. Ouais, c'est Audi qui a lancé la mode un petit peu, Mercedes aussi. C'est Mercedes. Je crois que c'est Mercedes avant, mais c'est Mercedes. Ouais. C'est Mercedes, il l'avait fait, je pense, sur la S, et c'était quelque chose de vraiment expérimental au départ, et c'était pas très joli, entre guillemets, mais maintenant, ils ont tous optimisé, les Allemands, on connaît très bien la deuxième génération, et ils font des merveilles. Bon. Ensuite, donc on a parlé de l'écran multimédia. Alors on va parler de la motorisation peut-être ? Non, on y arrive vite fait. 49. Voilà, justement. Donc, pour ne citer que, bon, au niveau coffre et habitabilité, c'est très généreux. Le coffre, il fait près de 600 litres. 600 litres. 600 litres, oui. Ah, c'est bien. Et ils ont un bon cubage. En parallèle, on a des banquettes. La spécificité du modèle, et ce qui est très important, la banquette arrière, elle est coulissante. D'accord. Et on peut faire le réglage des dossiers. Okay. Y a des rangements de partout. On passe vite fait à la motorisation. La motorisation importée chez nous, c'est une motorisation 1.4 litre TSI de 150 chevaux DIN. Elle garantit vraiment de bonnes reprises. La consommation, vu de la puissance, est de l'ordre de 7 litres au 100. On peut facilement. Le moteur, il est très bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le moteur, il lui est très facile d'emmener le poids de la voiture. Donc, d'accord, on peut facilement contenir la consommation. D'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, exactement. Ensuite, il y a la panoplie d'équipements, surtout sur les versions haut de gamme chez nous, le parc pilote, tout ça. Voilà. Tu as deux versions ? Combien de versions sont il y a justement, on va arriver. On est arrivé déjà aux versions. Les versions, elles sont quatre. D'accord. Il y a Trendline, Comfortline, Highline et Airline. Bon, les derniers prix qu'on a, je ne sais pas exactement s'ils sont corrects, il faudrait vérifier avec Volkswagen. Donc, ça part de 92 000 dinars jusqu'à 129 000 dinars. D'accord. Voilà. Okay. C'est normal. Le prix, il est dans la moyenne, on va dire, de la catégorie. Je t'ai fait, par contre, une petite parenthèse. Avantages, inconvénients. Oui, super. Tu vas-y. Adores ça. J'adore. Non, voilà. Et nos auditeurs, auditrices aussi. Donc, voilà. Voici les avantages et inconvénients de la Tiguan Pro. Bon, alors, comme j'ai fait plein de louanges, donc je vais commencer par les inconvénients. Allons-y. Les inconvénients, c'est le design Volkswagen, il est trop sérieux. Ouais. Le foncé à l'intérieur. Austère, voilà. Ouais. Un autre inconvénient qui n'incombe pas à l'importateur ici, c'est l'absence de motorisation diesel, parce que pour les escapades, c'est très bien le diesel. Oui. Et surtout, la version 4 roues motrices, pour vraiment pour avoir un aspect sécurité passive qui est bon. Au niveau conduite et tout ça, pluie, boue, tout ça, voilà. Oui. Les avantages, j'ai le droit, en fait. Hein, voilà. Non, la qualité de fabrication, c'est du Volkswagen, donc on connaît un peu. L'habitabilité et la modularité, vraiment, c'est exceptionnel. C'est très bien pensé. La technologie embarquée, les concurrentes aussi, elles font autant. La version 4 roues motrices existante sur le modèle, c'est-à-dire on peut par exemple l'importer par nous-mêmes donc, en 4 roues motrices, le commander. Oui. La motorisation qui est en adéquation avec le SUV, avec le poids de la voiture, le 1.4 litre TSI 150. Voilà.
Ce fut notre essai de la semaine. Donc vous pouvez le consulter sur YouTube, sur ActuOto. A-C-T-U-O-T-O. Pourquoi O-T-O? Je sais que c'était vraiment une belle recherche. Tu sais pourquoi il me tient le nom? Parce qu'il le voit toujours sur ton t-shirt. C'est ça. Ah, voilà, il a l'écriteau pour le numéro de téléphone et les noms pour le t-shirt. Oui, alors on va passer à l'info-conseil, Noël. Automoto, info-conseil. Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. Alors, j'ai choisi deux infos, donc deux infos conseils. Ça concerne l'économie de carburant. Et l'économie de carburant, tout à fait. Bah justement, hein, puisque là, on a eu la mauvaise nouvelle. D'une augmentation un peu sévère. 100 millimes, ça fait mal quand même, hein, 100 millimes. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal parce que on sait même pas c'est quoi les 100 millimes entre nous. Et un samedi à minuit comme d'habitude. Ouais. Justement. Ok. On se rappelle un peu du système qui faisait ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc juste avant de passer avec toi, Amen. Donc il faut juste donc choisir. Donc j'ai choisi de parler de quand vous avez un camion citerne en train de remplir les cuves. Eh ben ne vous servez pas d'essence ou de diesel, il vaut mieux repasser plus tard parce que le remplissage va provoquer un brassage dans la cuve et va faire remonter des saletés dans tout le système et ces saletés peuvent se retrouver dans vos réservoirs. Voilà, en fait on attend le principe de sédimentation qui fasse action. Tout à fait, exactement. Mais il faut comprendre quelque chose, Raïs, le Tunisien en général, il ne passe à la station que... Il est vraiment... Voilà. Mais justement, il faut pas s'il change de station, il est foutu, là. Il ne faut pas attendre qu'on soit à sec. Justement, ça, c'est très important. Il faut pas attendre donc, sur la réserve pour faire le plein, car le réservoir vide favorise l'évaporation. Non, mais ça, c'est très mauvais pour le moteur aussi. Oui, mais oui, il faut mieux laisser donc une bonne quantité de... Il ne faut jamais dans le rouge, c'est très mauvais. Non, il faut le faire en cyclique. Si on va mettre la même quantité d'essence, on va la mettre maintenant ou après. Autant le mettre maintenant. Voilà. Non, mais en fait, c'est vrai. Non,